Bonjour. Donc, je vais, par cette vidéo, je vais essayer de combler les trous en répondant aux questions. Les petites questions qui m'ont été adressées par certains d'entre vous. Donc, la première chose, c'est la dîme. Tifa, donne-moi ton numéro. Bon, c'est vrai qu'on est dans un direct. Tifa, si tu écris au 680, tu pourras m'avoir. 680 71 07 01. Écris vers 6h37. Bonjour. Beaucoup d'entre vous avez commencé à me regarder. Vous n'avez pas. Vous vous laissez accabler par votre situation. Si bien que vous ne. C'est comme s'il y a le doute dans ce que je dis, en fait. Donc, je vais essayer de trouver les mots qui vont me permettre de vous parler. Partagez ma vidéo si ça vous parle. Dans ma carrière, en tant que Jocelyne, je ne dirais pas que c'est. Je ne vais pas dire de reine, de coach, de mentor ou encore d'enseignante. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont sous-estimée. Il n'y avait que moi qui pouvais voir ce qu'il y a en moi. Il n'y avait que moi qui pouvais développer mon assurance en moi. Bien sûr, beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous me suivez. Si aujourd'hui je tombais sur ma vidéo, tous ceux qui tombent sur ma vidéo, qu'on vous l'ait envoyé ou bien c'est juste Facebook qui vous a déposé ça, même si c'est TikTok, c'est pas du hasard. Beaucoup d'entre nous, on cherche une solution. On est allé à l'église, on a fait tout ce que l'église nous a dit de faire. Parfois, même aller au village, on a fait tout ce que le village nous a dit de faire. On a fréquenté, on a fait tout ce que. Tu arrives en banque, tu fais tout ce qu'on te dit de faire. Tu es même au pays, tu fais tout. Tu coches toutes les cases. Bonjour le roi, QAT. Et. Je me rappelle souvent, je me suis levée certains matins, je suis restée dans le lit 2 heures, 3 heures, comme ça, je me dis, mince. Donc, je suis bloquée dans un système. C'est comme si je cours, je cours. Tu essaies de créer ton entreprise, ça ne marche pas. Tu essaies tu ne comprends pas. Si je tombais sur ma vidéo aujourd'hui, il y a des principes que vous devez, dont vous devez vous rappeler. Pour vous, la reine Diane. La première chose, je ferai tous les bains que je peux faire. Premièrement, mon sel de 50 qui est dans ma cuisine là. Je prendrai le sel là, je me laverai fidèlement matin et soir avec le sel. Il y a encore, j'étais dans une autre ville, en rentrant, j'ai pris l'avion. Donc, on a atterri, juste en train de rentrer vers le parking, et là, je vois une dame du marraine. Je m'arrête, je la regarde. Vous êtes nombreux là dehors, vous m'écoutez. Vous avez l'intention de venir me voir. Ne venez pas, il n'y a pas de souci. Prenez le sel, lavez-vous avec.
Je ne vais pas vous mentir. Sur 10 personnes que je rencontre qui me disent qu'elles me suivent, deux se lavent avec le sel. Deux. J'ai compris que ce qui allait me sauver, c'est les petites choses. C'est que vous aimez qu'on va te dire, donne 4 millions 5 pour qu'on te change ta vie. Oui, après on a le réseau, donne 3 millions. Je viens te dire de prendre le sel de 50, tu te dis, ah. Dieu est tellement juste qu'il a donné l'égalité à tout le monde. Bonjour la reine Marie-Claire. Et ne soyez pas intimidé par l'argent que les gens ont. J'ai des clients qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas rester à côté d'eux. Parce qu'ils ont une énergie en eux là que c'est comme si ils restent à eux, ça me vide. Je dis, mais tu peux pas m'acheter. Tu ne peux pas m'acheter. Déjà que je ne souffre pas. Il ne souffre pas, il ne manque pas. Dieu m'a béni. Bonne journée, Victor. Toi. Parce que souvent, quand tu souffres, tu te dis, si j'avais l'argent de l'autre là. Je me rappelle quand je galérais encore. J'avais un ami en particulier, il avait une grosse Mercedes comme ça. Maman, pourquoi le gars la t'aide? Pourquoi le gars la t'aide? Il va te raconter tout. Tu vas passer au moins 2 heures pour qu'il raconte toute sa journée. Toute sa vie. Oui, il y a tel oncle là-bas. Oui, je lui ai dit comme ça. Il avait une énergie là. Tu veux me vider de mon onction? Parce que tu vas me donner 100 000. Parce que tu vas m'aider dans mon projet pour 100 000. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas laissé. Dieu est en toi. J'ai des gens qui m'ont donné des témoignages qu'avec le sel, j'ai pris le sel, j'ai versé. J'ai pris le sel, j'ai mis dans l'eau, j'ai bu. Et je vous disais ceci chaque jour. Telle situation s'est débloquée. Croyez en vous. Et même moi, je ne veux pas devenir votre. Croyez en vous. C'est vrai que je suis un. C'est vrai que Dieu m'a mis sa main sur moi. Que quand tu fais ta chose, tu viens, je peux. J'ai des gens, en une journée, hier, par exemple, j'ai travaillé sur des personnes à des moments différents. Une personne, je pouvais voir la foi de la personne. Maman, la femme là est venue, quand elle faisait ses prières, on dit intercalaire numéro 1, enfant numéro 1, premier rang, ding, elle commence. Elle lit, elle lit, elle déclare, elle déclare, elle donne les dates. Que d'ici le 1er septembre 2022, oui, tu as ton boulot. Voilà, je te libère de tout esprit de ceci. Je te. Je suis dans un an. Elle finit, je fais. Amen. Je mets ma main, je touche la photo de son enfant. Next. Après, elle me dit que ma reine, depuis que je te suis, c'est toi qui m'as formé. Je dis que donc, c'est les mêmes vidéos que je mets. Il y a des gens qui viennent devant moi, ils n'arrivent même pas à placer une parole que toi-même tu écoutais. Et tu viens, tu places les prières comme ça. Vous êtes paresseux. Tu vas voir, d'autres personnes vont venir. Oui, c'est combien? Il ne s'agit pas d'argent. Mais. Sinon, je ne donnerai pas tout sur Facebook. Même YouTube, Facebook et YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à ma page YouTube. Il y a des gens qui font comme si je suis leur béquille. Maman, tu m'as rencontré à un moment de ta vie. Ça peut arriver que demain tu décides de ne plus me suivre. Si je peux avoir déposé quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, avant que tu partes, il faut avoir la foi en toi.
Faut avoir la foi en ta parole, ta prière là. Et la foi. Azebot Mbeki, si tu es suisse, c'est bien, non? Je me suis déplacé une fois, je suis allé chez une dans le magasin d'une femme. On m'avait dit que j'allais faire 9 heures de route. J'ai fait 12 heures de route. S'il vous plaît. Et avant de partir, j'ai eu trop d'obstacles. Mais mon cœur disait que ouais, je vais aussi abandonner la femme là. J'arrive. Je vous parle de sacrifice à l'eau ici là chaque jour. Tu as fait le sacrifice à l'eau? Non. Tu te laves avec ceci? Non. Tu as fait ça? Non. Tu as fait ça? Non. Tu as... Non. Tu m'appelles ici pourquoi? Je n'ai pas touché là. Je n'ai pas travaillé. Je suis sorti, je suis parti. J'ai encore tapé 10 heures de route, je suis rentré. J'ai dit, c'est fini. Vous êtes paresseux. Il y a des gens qui se déplacent, ils viennent chez moi. Tu viens, je vois la façon que tu fais là. En partant, il te dit que c'est toi, ta paresse qui a été gâtée. Vous cherchez les gros qui vont prier pour vous. Vous cherchez les gens qui vont tout faire pour vous. Hein? La vie, c'est la bagarre. La vie, c'est la bagarre. Quand les gens partent vous attacher, si on leur dit que réveille-toi en minuit, tu pars à ta fenêtre, tu prends la poudre, si tu appelles le nom de la fille là, que Victorine, je te maudis 3 fois, tu souffles. La personne va se lever chaque jour à minuit pour faire. On dit à Victorine que mets le sel dans l'eau, tu te laves avec le matin quand tu te réveilles. On dit, même pas qu'à 3 heures. Hein. Même pas à 3 heures. Lève-toi à 6 heures pendant que tu fais ton savon pour te laver. Prends le sel, tu mets dedans. Victorine ne peut pas. Est-ce que tu veux changer? Tu ne veux pas? Pas venir me déranger, pardon. Si je tombais sur mes vidéos moi-même, première des choses, je partirais me laver avec le sel. Deuxième des choses, je payerais ma dîme. Dois laver la pluie. Regardez à l'heure qu'il pleut. Vous voyez, dois laver la pluie. Hein? Il pleut à l'heure, à 7 heures, ce sera fini. En tout cas, continuons nos choses. Je payerai ma dîme. Il y a des gens que quand ils m'écoutent, ils croient qu'ils peuvent être sélectifs avec Dieu. Vous vous trompez vous-même. Et c'est encore plus tentant. Quand tu as beaucoup d'argent. Tu peux avoir l'argent, mais il n'y a que l'argent qui est bien dans ta vie. Tu n'es pas relation amoureuse, oh, oh. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas rien. Donc tu as seulement l'argent. La prospérité, l'argent, ce n'est pas la prospérité. La prospérité, c'est que tu restes en santé. Et que ça fait même 5 ans ou 10 ans que tu ne peux pas passer à l'hôpital. Tu te lèves, tu dis que tu veux faire ta chose, tu fais. Tu te lèves, tu as un petit souci ou tu as un projet, tu trouves l'argent de ça, ça vient. Tu ne manques de rien. Tu es heureux. Pas que c'est quelqu'un qui te rend heureux. Tu es clair sur ton futur. Non, j'ai l'argent. Ou bien, il me faut un homme qui a l'argent. Maman, à quel prix? L'homme là suce l'énergie de ton corps. Putain. Excusez-moi. Tu es que là. Il a l'argent. C'est à la limite, même si tu ne fais pas, si tu ne fais même pas du porte-à-porte, pour qui te donne l'argent? Donc, il suce ton énergie, il ou elle. Après, on te balance un peu d'argent. Vous devez avoir le thermomètre spirituel pour vous checker. La dîme est incontournable. Paye ta dîme. Si c'est quotidiennement que tu reçois l'argent, paye ta dîme quotidiennement.
10% de ton revenu, de ton bénéfice. Si tu dépasses les 10%, c'est pas grave. C'est quand c'est en dessous que c'est grave. En payant ta dîme, tu peux en Malachie 3, versets 10, 11 et 12. Seigneur, j'apporte ma dîme à la maison du trésor. Je vais vous montrer ce que la dîme fait. Jeune d'or, tu dis que parfois vous êtes frustré. Mais oui, il y a des femmes que avant de te donner son argent, tu souffres. Elles te frustrent. C'est vrai. Malachie 3, verset 10. Apporte à la maison du trésor. Il y a des personnes qui. Comme moi, là, maintenant, je peux pas aller travailler pour quelqu'un. Il y a parfois tellement de personnes qui. Je veux te voir, je veux te parler. Avant qu'elles demandent même qu'on me paye pour me parler. Je devais aller chercher l'argent. Je devais maintenant venir utiliser mon énergie pour soigner les gens. C'était chaud. J'ai dit maintenant, mon énergie et mon envie d'aider les gens, c'est ça, mon gagne-pain. Donnez-moi l'argent si je veux que vous parle. Donc, il y a des gens que, quand vous apportez votre dîme à la maison du trésor, et quand tu apportes, c'est pour qu'il y ait de la nourriture chez cette personne. Il y en a parmi vous que. J'ai des gens pour voir à 2 heures, ils m'envoient le capture d'écran des enseignements que j'ai fait en novembre 2021. Que waouh, dans la vidéo, si tu m'expliques ceci, je comprends. Après, l'envoi l'autre de mars 2020. Que waouh, tu expliques, je comprends. C'est mon énergie que je prends et pas le temps. Donc, quand il dit apporter à la maison du trésor. Là où tu es nourri spirituellement, tu sais que tu es conscient que non, la personne, si, pour qu'elle ait les révélations et qu'elle vienne m'enseigner et que ça m'ouvre l'esprit. Pour que je comprenne et je ne pas faire. Parce qu'il y en a parmi vous que si on ne vous explique pas que la spiritualité n'est pas mauvaise pour vous, vous allez tout croire que, oh, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la sorcellerie. Donc tu apportes ça à la maison du trésor. Comme tu apportes maintenant, le Seigneur lui-même, maintenant, voir ce qu'il dit. Parce que Dieu, pour que Dieu donne l'argent à un de ses enfants, pour que Dieu me donne l'argent, soit il va envoyer quelqu'un va me donner, soit je vais mettre un service à dehors, quelqu'un va me donner l'argent. Ça ne peut passer que de la main d'un homme vers un homme. Ce n'est pas l'affaire que tu vas te lever le matin, tu vas avoir 50 millions au sol de ta chambre, non. Ça va passer de quelqu'un. La personne, oh, j'ai eu l'idée d'acheter ton produit. J'ai eu l'idée de venir te payer ma dîme. J'ai eu l'idée de venir te donner aussi sa offrande. Donc, Dieu dit ceci. Que quand tu prends, tu apportes à la maison du trésor. Tu as donné. Ok? Quand vous partez même sur le verset 9. Vous voyez, il dit, est-ce que quelqu'un de mortel peut dérober Dieu? Mais vous me dérobez. Et vous me demandez comment est-ce qu'on te vole. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Donc quand tu ne payes pas ta dîme et tes offrandes, tu voles Dieu. Et il dit, vous êtes sous une malédiction. Voilà ça dans la Bible. Hein? Donc quand tu me voles là, c'est ce que Dieu qui dit. Tu es sous la malédiction. Beaucoup d'entre vous, j'enseigne ici, vous allez m'écouter 10 ans, vous n'avez jamais fait ce qu'il dit. Jamais. Et quand tu vas voir ta vie en 10 ans, tu seras toujours au même point de départ. Même point. Ça ne va pas avancer. Pourquoi? Dieu n'est pas fou. God no decrease. God no decrease. Il dit, vous êtes maudit, votre nation entière, parce que vous me dérobez. Et maintenant, il montre comment rectifier. Il y en a parmi vous que votre vie ne va pas depuis 6 mois. Tu m'écoutes, tu fais tout, mais ça ne marche pas. Il dit maintenant, apportez toute
la dîme, the whole, ça veut dire whole, everything, tout, apporter toute la dîme dans ma maison pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et après, dit testez-moi. Test me in this. Regardons maintenant ce que ça apporte. Et voyez, si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et verser tellement de bénédictions que vous n'aurez même pas d'espace pour garder. Donc, la dîme t'ouvre les bénédictions, les écluses des cieux. Écluse des cieux, ça peut venir. Tifa, je sens que tu as encore nouvelle dans la page ici. Parce que il y a les questions que tu poses que. Malachi 3, j'ai dit ça au moins deux ou trois fois ici. Malachi 3. Je n'aime pas quand j'enseigne, on me pose des questions qui sont évidentes comme ça. J'ai dit Malachi 3 ici avant d'enseigner. Ça peut venir sous forme. Souvent, quelqu'un raisonné pense à toi, il veut te dire oh. Je veux faire un business avec toi. Il t'appelle. Oui, oui, on va. Je vais envie de te dealer avec toi. Tu le recontactes, il ne te répond plus. Tu écris encore fatigué, il ne te répond plus. J'ai une dame comme ça. Elle me dit qu'elle a rencontré un monsieur qui a tellement de grands restaurants en Europe et il voulait travailler avec elle. Et jusqu'après, elle appelle, il ne répond plus. Il ne répond plus. Les écluses des cieux, c'est les idées. Tu peux rester comme ça, tu es bloqué. Une situation te bloque depuis 6 mois. Dieu te dit, passe comme ça, appelle telle personne. Ou la semaine-là, il te met sur le chemin quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va t'aider. Donc chaque fois que tu penses à la place, tu es oh, je fais comment pour booster ma page Facebook. 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 Il t'amène quelqu'un qui connaît. Tu es choqué, tu dis ah! J'ai cherché ça depuis 1 an. Hein. Je dis oui, tu fais seulement comme ça, là, tu ouvres ici, tu appuies là-bas, tu fais comme ça, tu déposes là-bas. Ah bon? Oui. Parfois, tu voulais acheter quelque chose depuis, tu as acheté un terrain. On te dit le mètre carré, c'est 50 000. Tu perds ta dîme. Tu tombes sur quelqu'un qui est en train de. Oh, je voyage, je peux m'installer en Europe. Je te vends mon terrain. Dans le coin où c'est 50 000, donne-moi même ça à 25 000. Donne-moi 25 000, je te donne mon terrain. Et tout est légal. Hein? Tu as tous les papiers, tout, tout, tout. Voilà comment Dieu vient de t'économiser 50% sur une transaction. Tu crois que les 10% que tu as payé là, 10%, supposons, 10% de ton salaire, supposons, c'est 500 000. Tu penses que si tu ne payais pas la dîme, tu pouvais trouver une opportunité qui allait te faire économiser 25 millions en une transaction? Et les gens qui paient la dîme sont les gens qui ne sont jamais bloqués dans une situation. Tu vas voir peut-être que tu... Ok, voilà, je suis arrivé à l'hôpital, on me dit qu'il y a un extra coût, ou bien je lance mes travaux. On te dit qu'il faut 3 millions. Tu dis commencer les travaux. Au milieu du chantier, on te dit qu'il y a encore les imprévus de 2 millions qui sortent. Tu dis que, hey, vous m'avez dit qu'il fallait 3 millions. Je fais mon budget, je donne 3 millions. Oh, il y a eu des imprévus. On a creusé si on n'a pas pu. On a fait ça là, l'appareil là ne marche pas. Tu payes ta dîme.
Celui qui paye la dîme. Au milieu des travaux, on dit, monsieur, on revient, on te donne 200 000. On dit, monsieur, on a même économisé 200 000. C'était 2 millions 8. Vous comprenez un peu? La dîme, ce n'est pas la blague. Tu restes, on te dit, madame, tu veux faire tes papiers ou partir en Europe? Ok, le réseau, c'est 3 millions. Tu perds les 3 millions, on te dit, oh non, il faut encore 1 million. Dès qu'on te dit à 8 heures qu'il faut 1 million pour compléter l'application, 9h30, ton oncle t'appelle. Bonjour ma fille. Je dis, ouais, tonton, je partais comme ça pour mes papiers. Et puis bon, on me dit qu'il faut encore 1 million. Ah non, non, te dérange pas. Je vais t'envoyer 1 million là. Donc, tu n'es pas bloqué par une situation. Dès que la situation se présente, la solution se présente. Les employés viennent te dire, oh madame, il y a l'appareil là qui s'est cassé. Oh, on a besoin de ça pour fabriquer. Si on ne fabrique pas, à partir de demain, on ne peut pas vendre. Ils te disent ça à 10h, à 12h. Un de tes créanciers, quelqu'un qui te devait depuis. Quelqu'un qui te devait l'argent depuis, il vient. Ouais, tu vois, j'ai fait un business, ça a marché. Je suis parti à Dubaï, j'ai acheté des voitures, je suis venu vendu. Voilà tes 5 millions. 10h, le problème est sorti. 12h, on vient te donner 5 millions que tu ne savais même pas où ça venait. J'ai déjà fait ça tellement de fois. Tellement. Même la santé. Il y en a parmi vous que vous n'avez jamais vu l'hôpital. Même le corona, si. Tout le monde était hors du boulot. Mais vous, on vous a gardé. Donc, vous êtes dans le service, les patients sont malades. Les gardes malades sont malades. Toi, on fait le test sur tout le monde. Tu es le seul qui n'a pas le corona. Pendant 2 ans. J'ai ma copine en Angleterre. Elle travaille dans une unité là. Elle est care assistant. Elle dit qu'à un moment, elle travaille avec les juvéniles là, dont la tête est un peu. Elle dit qu'à un moment, elle a fait le test. Ils étaient 21 dans leur unité. 20 personnes avaient le corona. Elle n'avait pas le corona. Donc, elle n'a jamais manqué de boulot pendant les 2 ans que le corona a frappé le monde. Elle partait toujours au boulot. La dîme, c'est 10% de ton bénéfice. Tu fais le business. Ton chiffre d'affaires, c'est 1 million le mois. Ce qui prend, que tu prends, tu mets dans ta poche, c'est 250 000. Parce que peut-être tu payes ton un ou deux employés, tu payes le loyer, tu payes. À la fin de 5 millions, tu as 250 000 que tu mets dans ta poche. La dîme, c'est 10% des 250 millions, c'est 25 000. Et tu payes la dîme. Là où tu es nourri spirituellement. Il y en a parmi vous, vous avez arrêté de partir à l'église. Maintenant, peut-être depuis que tu écoutes mes vidéos, spirituellement, tu es devenue forte. Et écoutez, ne vous trompez pas. Hein. Peut-être tu peux dire, oh non, je suis fidèle à mon pasteur. Je ne suis pas en train de chercher les gens. Il y a tellement de gens qui me paient la dîme. Mais je veux que vous compreniez la fessie. Léa, tu as perdu ton frère. Tu connais que les morts ne sont pas morts. Tu veux maintenant qu'on prie pour toi comment? Moi, je ne fais pas moi les choses comme ça. Hein. Je suis moi quand même quelqu'un, je suis bizarre. Même le deuil là, le deuil pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai fait encore les calculs, ma calcul, ma plan. Le deuil, c'est à quoi? Tu as perdu ton frère, d'accord. Parle à ton frère. Parce que vous n'écoutez pas les vidéos. Vous écoutez. En fait, pour vous, c'est comme le film. Tu vois, quand tu finis le film, tu éteins la télé. Tu dis, ok, je ne vais pas maintenant vivre ma vie normale. C'est pour ça que vous ne faites pas ce qu'il dit. Mais je peux vous dire le nombre de personnes. Quand tombant sur ma page, tu étais découragé. Donc, tu avais essayé l'église, les marabouts, tu as tout fait. Maintenant, tu tombes sur moi et je t'enseigne comment activer ce qu'il y a en toi. Il y a des personnes que quand ils me donnent le témoignage, je reste comme ça. Il n'y a que la foi qui m'arrête, que je peux dire, waouh. Moi, la femme, c'est à la foi. Tiens. Donc, tu m'as écouté les mêmes enseignements que je mets ici, là. Oui. Tu as gardé ta dîme pendant 6 mois en France pour venir me voir au Cameroun pour donner. Ah. Quand tu as commencé à m'écouter, tu t'es lavé avec le sel. Tu as obtenu une nouvelle voiture de 30 000 euros. Il dit, maman, tu as la foi.
Il y a beaucoup de personnes qui ne commentent pas ici. Elles ne font pas un commentaire sur mes vidéos. Mais tout ce que je dis, elles connaissent parce que l'Esprit de Dieu a commencé à t'enseigner. Tu connais. Donc quand tu m'écoutes, ça confirme seulement ce que tu connais déjà. Et parfois, ça te rappelle les trucs que tu avais oubliés. Parfois, tu peux te réveiller, l'Esprit de Dieu te dit, va dans un orphelinat aujourd'hui. Le jour-là, dans la vidéo, je parle de l'orphelinat. Et tu avais oublié. Quand tu te réveilles, tu as oublié. Ou bien l'Esprit te dit que fais une offrande supplémentaire. Et le jour-là, je parle d'offrande supplémentaire. Je parle de sacrifice peut-être. Tu as une situation particulière, tu sens une offrande. Seigneur, voici mon sacrifice que j'apporte à toi. Débloque-moi telle situation, Seigneur. Bonjour, la reine Tamla. Bonjour, la reine Constance. Eliane, tu crois que parce qu'il t'a dit qu'en dehors des enfants, ça veut dire qu'on s'en fout de ce que les gens disent. Certaines personnes voulant vous détruire avec leurs paroles, on s'en fout. Quand tu es dans ton monde, tout ce qui te préoccupe, tu t'es libéré de tes blocages, tes ralentissements. Tout ce qui te préoccupe, c'est de faire ton argent. Tout ce qui te préoccupe, c'est de restaurer ta vie. Tout ce qui te préoccupe, c'est de peut-être d'avoir ton enfant. Tous les petits commentaires d'à côté, là, tu n'es pas sur ça. Parce que vous laissez facilement distraire. Facilement. Il suffit que quelqu'un vienne comment dire, oh, regarde-toi là-bas. Est-ce que tu as l'enfant? Où est l'enfant même? C'est moi ça, tu es malheureuse toute la journée. Il m'a dit que je n'ai pas l'enfant. Ça se voit que tu n'as pas l'enfant, ma chérie. Mais la personne est venue te dire parce qu'il veut te frustrer. Il sait que devant toi, il ne peut pas voir ton carreau. Ou qu'il vient te donner un petit mot. Ce mot-là va rester avec toi une semaine. Si tu acceptes toi-même là, tu es bête. Bonjour Diamant, bonjour Chami. C'est ça que vous devez aller créer les faux profils pour me parler, pas de souci. Donc, quand tu sors ta dîme, tu payes ça là où tu es nourri, là où tu sens que ici, là, je suis nourri spirituellement. Et vous-même, il y en a parmi vous connaissez, que tu écoutais ton pasteur. Il y avait les gens en ligne que vous écoutiez depuis longtemps. Tu écoutes, mais ça ne donne pas. Ça ne tombe pas vraiment comme tu veux. Tu es toujours là, tu fais l'acte de présence. Et pour moi, en fait, quand je paye ma dîme chez la personne chez qui je suis nourrie spirituellement, pour moi, c'est comme si j'honorais l'onction que la personne me passe. Genre, quand j'ai. Il y en a parmi vous, quand vous m'écoutez, mes paroles vous fortifient. Et quand tu écoutes comme ça, tu sens comment tu finis le direct. Tu sens comment ton corps est en forme. Tu as reçu de mon esprit. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein? Jean 6, verset 63. Les paroles que je dis sont esprit et vérité. Donc la parole qui sort de ma bouche, c'est mon esprit qui entre en toi. Sandra, et quand tu veux bénir des activités, c'est des gifs d'Iga Academy qui sortent de ta bouche. Ces gens, c'est l'échange spirituel. Tu mets ta vidéo en ligne. Ou bien tu m'enseignes chaque dimanche. J'écoute. Quand j'écoute, pendant que je t'écoute, ça recalibre. Peut-être dans la nuit, là, tu étais dépensif. Tu t'es réveillé avec un mauvais rêve qui t'a cassé le moral. Ou bien hier, on t'a annoncé qu'on ne va pas te donner le crédit bancaire, là, donc tu ne connais pas comment tu vas faire pour financer ton voyage au Canada. Ou bien, donc tu as une mauvaise nouvelle, là, que ça pèse sur toi. Tu tombes sur une vidéo. La vidéo, là, t'aligne. Tac. Tu n'as besoin de personne pour réussir. Connecte-toi à tes ancêtres. Fais tes prières. Fais tes lavages. Tu vas voir tes choses vont marcher. Tu lis deux ou trois témoignages. Quelqu'un dit, voilà, j'ai fait ceci, mais ma chose a marché. Oh, voilà. Tifa, je vais te bloquer. Tu me comprends, Tifa? Moi, je ne blague pas. Hein. Je ne cherche pas les abonnés. Je vais te bloquer. Quand tu dois me poser des questions pour me distraire. Dernier avertissement. Des gens de la page peuvent te dire. Si tu viens, je t'envoie ailleurs, pardon, pardon. Please. Don't be careful. Et quand tu écoutes,
Ça te fortifie. Ça restaure ta vision. Parce que dans votre journée, ce n'est pas beaucoup de personnes qui vont parler. Ça va vous encourager. Est-ce que vous savez ça? Dans votre entourage, vous aurez maximum trois personnes. Et parfois, c'est des personnes même que vous ne connaissez pas physiquement. Tu écoutes seulement ce que la personne dit. Et chaque fois que la personne parle, c'est comme si la personne la connaissait toute ta vie. C'est comme si la personne connaissait ce qui est dans ton cœur. L'autre jour, j'étais en train de rentrer. J'arrive à l'aéroport. Et depuis peut-être 3 jours, bon, j'étais lourde. J'étais troublée. Je dis, mais c'est quoi ça? J'arrive à l'aéroport. Il y a une dame que j'écoute. Maman, il dit que les paroles que Dieu met dans la bouche de la femme, là, que, elle ne la connaît pas, elle ne me connaît pas. Je ne peux pas dire qu'elle peut lui dire, elle ne m'a jamais vu, elle ne m'a jamais parlé. Même mon nom, elle ne connaît pas. Mais les paroles. Donc, il y a des moments où tu es même malade, quelque chose t'embête, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu es là comme ça, ça fait 2 jours, même quand tu fais ton lavage, tu sens que tu ne mets pas le cœur sur ça. Je sens que quelque chose te distrait. Peut-être que quelqu'un est en train de parler quelque part contre toi. Peut-être que quelqu'un allait faire une incantation extra contre toi. Peut-être que quelqu'un a fait son don, il est en train de parler contre toi quelque part. Parce que les sorciers sont aussi sur ma page, les mauvaises personnes, les décepticons là, ils me suivent aussi. Donc les trucs que je donne là, eux-mêmes aussi, ils prennent pas de faire. Et quand vous aimez être par ceux-là, je sors de l'avion. Quand on arrive, on devait passer là où on fait le test Covid. Je suis peut-être la troisième personne dans cette salle-là. Et dans le vol, on était peut-être 50. J'arrive. Dès que je suis sortie de l'avion, quelque chose m'a dit, parce que depuis 3 jours, la femme avait posté cette vidéo-là. Mais mon corps pesait pour aller regarder. Je ne sais pas pourquoi. Parce que mon esprit n'arrivait pas à se concentrer pour recevoir. Et moi, je clique sur la vidéo, je suis en train de marcher, je sors de l'avion, je marche. Parce que le couloir est assez long quand tu sors de l'avion. J'écoute. Mamma mia. Quand elle parle comme ça, l'esprit, pendant qu'elle est en train de parler, l'esprit me dit que voilà. Voilà. Il y a des flèches supplémentaires qui sont sur toi. Il y a ça. Donc ça pointe que tac, 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 tac. Et quand j'écoute comme ça, là, mon corps, premièrement, je sens comment Dieu est en train de me montrer ce qui me faisait mal. Et en même temps, en train de me délivrer de ce qui me faisait mal. Donc, les deux en même temps. Parce que pour moi, spirituellement, quand tu connais ton problème, le problème est à moitié résolu. Si tu connais que c'était telle personne qui avait fait telle chose contre toi, tac, tu passes avant, tu contrecarres. J'annule ça qui a été fait. Tu envoies une flèche contre la chose. Et tu retournes à l'envoyeur. J'écoute. Plus j'écoute. Et elle parle aussi de fatigue spirituelle. Parce qu'il y a des moments où je porte beaucoup, beaucoup de. Chacun vient avec son problème, je porte. Il y a des personnes qui viennent avec 50 démons. J'écoute, un moment, je m'assois. J'arrive devant la dame qui faisait, on faisait le test du Covid. Je lui demande le bic. Elle me dit qu'il n'y en a pas. Je vois la donner son bic à la femme qui était devant moi. Ça m'énerve, je quitte à côté d'elle. Je tourne dans la salle, je ne peux pas voir un autre monsieur là qui remplissait sa fiche. Il dit que monsieur, je vais t'attendre. Est-ce qu'il peut avoir ton bic après? Il dit oui. Oh. Le monsieur prend 5 heures de temps pour remplir la fiche. Il regarde la fiche. Ceux qui sont arrivés au Cameroun, il y a la fiche du test Covid. Il y a les questions, tu dois cocher. Non, 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 non. Monsieur, le gonap a écrit son nom. Il a écrit de quel genre il est. Masculin, féminin, même non. Ah. Je suis resté devant lui, comme ça, debout même 3 minutes. Il n'est pas fini de formuler. Ça m'a énervé. Et la vidéo, je vois dans mon oreille. Après, je suis allé m'asseoir. Il dit que je ne veux même plus son bic. Je suis allé m'asseoir. J'ai fait peut-être 15 minutes assise. Toutes les 50 personnes qui étaient là, ou des 40, ils sont partis. Les paroles de la femme ont été dans mon corps. J'ai commencé à pleurer. La femme qui faisait le test Covid, elle reste devant moi et me regarde. Je suis allé se demander que j'ai fait quoi la femme. J'ai coulé les larmes peut-être pendant 5 minutes là-bas. Et quand je pleurais, le Seigneur me dit, je te délivre de ce fardeau. Quand j'ai fini les 5 minutes là, ça fait même pas 5 jours, ça fait peut-être 5 ou 6 jours. Quand j'ai fini, je me suis levé. C'est comme si j'avais 5 mètres de hauteur. C'est comme si j'étais grande de 5 mètres.
Parce que cette femme avait des paroles qui devaient venir pour toucher exactement ce qui m'embêtait. Donc Dieu oint des personnes. Parfois, quand elle parle ici, je suis en train de faire la vidéo, j'ai parfois une idée que dit ça, je dis. Peut-être que c'est la parole de quelqu'un là-bas. Que dit ça, je dis. Tu m'écoutes, tu fais 1 heure, tu m'écoutes. Et pendant les 1 heure là, pendant 3 minutes, je parle. C'est le tour de 3 minutes là que ça vient toucher quelque chose dans ton cœur. Ça te nettoie, ça te libère. Ce fardeau-là, tu auras encore pu le porter même pendant 6 ans. Donc quand je parle de nourriture spirituelle, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Il faut que tu repères la personne qui a ta parole dans sa bouche. Quand tu trouves la personne, honore la personne. Je disais ça à une de mes filles hier. Parce qu'elle prend l'habitude que quand elle arrive, je lui dis non, même mes enfants spirituels, quand ils vous lavent, vous payez. Je te réduis le prix. Tu peux payer 30 ou 35 000 comme tout le monde. Mais je dis toujours, sachez honorer l'onction qui est sur votre vie. Donc, ne blaguez même pas avec. Ah, si tu es venu, la personne a utilisé son seau pour te laver. Le seau là. Après, quand tu finis, quand tu dis vraiment, voilà, honorer. C'est ce que j'ai reçu de l'endroit-ci. Sors-tu pas donné là-bas. Et c'est ça qui vous dérange. Vous êtes trop chiche. Vous êtes chiche. Le peu que tu as gardé depuis là, ça a fait quoi? Elle a déjà beaucoup. Écoutez, je suis arrivé à un niveau, je comprends qu'on peut que. Même si tu étais quelqu'un qui faisait la plus grande offrande chez moi, tu décides de partir. Ni chaud ni froid. Écoutez bien. I am not moved, I am not shaken. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé à moi. Dieu t'a amené. Parce que j'ai souvent des gens qui arrivent vers moi. Vous étiez habitué à avoir des pasteurs qui vous faisaient du lèche-boto. Chaque jour, le pasteur est chez toi. Je dois te conseiller. Je dois prier pour toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Soyez mature. C'est que les démons vont vous gifler tout le temps. Je ne connais pas que tu peux te lever. Tu as vu qu'il y a le psaume 37 que tu dois lire. Le psaume 35 que tu dois lire. Le psaume 91 que tu dois lire. Tu te lèves, tu prends tes pipis, tu mets dans le seau, tu prends le sel, tu verses sur ça. Tu prends le donne-moi tout, tu mélanges, tu prends, tu te laves, que je me frotte, tu enlèves toute malédiction sur moi. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Il y a les jours où je suis hyper, super, duper saturé. Tu vas m'écrire, c'est même après 3 jours que j'aurai l'espace dans mon pensée. Ah tiens, là, elle m'avait écrit. Je mets les vidéos. Il est 4 heures. J'ai commencé la vidéo à 4 heures. Il est 5 heures maintenant, mais j'ai commencé à 4 heures. Si tu ne peux pas te lever, tu écoutes ça. Laisse tomber, non. Ah. Tu ne peux pas t'asseoir toi-même pour écouter quelque chose va t'aider. Et tu vois, c'est moi qui me prends mes 2 heures de temps pour t'écouter. You the lie. You the lie. Ayez l'indépendance, l'autonomie. Parce que même quand tu payes ta dîme, est-ce que tu connais que ton premier c'est entre toi et Dieu? Moi, je ne suis pas dedans. Je me mets ici, me dis que je dis. Est-ce qu'elle connaît que si elle devait parler en fonction de vos visages, ou en fonction de vos noms, ou en fonction de vos problèmes que vous m'avez dit en avance? Je me mets seulement, il dit, dis ça, je dis. Dis ça, je dis. Parle de ça. Quand il faisait la vidéo, si j'avais une idée dans la tête, quand il commençait à enseigner, c'est l'autre chose qui est venue. Il y a des personnes qui vont écouter ma vidéo, c'est dans 6 mois. Il y en a que c'est dans 2 ans que vous êtes tombé sur cette vidéo. Je vous parle de ça en 2022.
Juin 2022. Tu vas tomber ça en juin 2024. Et pour toi, ça sera net le temps que tu as besoin de ça. Donc c'est Dieu qui met dans ton cœur que tu me donnes. C'est Dieu qui met dans mon cœur que je te donne les paroles. Le jour où moi j'ai commencé à libérer, parce qu'avant quand je payais les dîmes chez les personnes que je connaissais et qui me connaissaient, il y avait des moments où moi-même j'étais fâchée dans mon cœur par rapport à la personne. On est à Makepe. Makepe derrière Paja Center. Il y a une menuiserie derrière Paja Center. En face de la menuiserie, il y a une grande villa. C'est au moins sur 700 mètres carrés. Il y a ma photo sur le portail. Sur les deux côtés du portail. Avant, je payais ma dîme. On peut dire, ah, j'ai payé la dîme de 300 000. Comment le pasteur là ne me... Il ne m'appelle même pas pour prier pour moi. J'ai mes phases avec Dieu. J'ai commencé à dire, en tout cas, il va payer ma dîme ailleurs. Dieu me dit, girl, stop it. Après, il me conduit vers des gens que j'ai fait seulement le transfert bancaire à la personne. Donc, tu payes par Visa ou PayPal. La personne ne te connaît pas. C'est là maintenant. Il dit, tu vas mûrir. En payant, tu pries sur... Parce que c'est à Dieu que tu parles. Ce n'est pas au pasteur. Ce n'est pas la personne qui a traité. Seigneur, ouvre ça. Yahweh. Il t'a payé ma dîme, tu ne pries pas pour moi. Hein? Donc tu payes la dîme pour m'acheter. Donc d'où là? Il y a moyen que tu creuses ton chemin seul. Tu montes seul. Internet aujourd'hui nous permet d'avoir tous les enseignements. Internet nous permet d'avoir tout le monde. Donc, si c'est n'importe qui, tu peux trouver la personne en ligne. Ne vous limitez pas. Et donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu as les taxes que tu dois payer. Les dons à l'orphelinat. La dîme en premier lieu, les taxes. Donne à l'orphelinat. Ça là quand même que tu fais aux gens. Prenez l'habitude de juste que chaque jour tu fais quelque chose pour quelqu'un. Et perdez l'habitude que j'ai donné, même pas dit merci. Hein, Dieu m'a dit merci. Tu viens pour m'acheter? Moi? Oh! Moi? Oh! Non, tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Que ce soit 500 francs que tu payes de dîme ou 5 millions. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor ma dîme. Éternel des armées, tu as dit que si j'apporte à ta maison du trésor... Tu vas ouvrir les écluses des cieux sur moi. Moi, Jocelyne, tu dis tout ton nom. Je viens recevoir l'ouverture de du dossier qui est là-bas au port. Je déclare que ils vont signer le contrat. Le contrat de 2 milliards que j'attends là, ils vont me donner ça au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la faveur avec mon employeur, si tu travailles pour quelqu'un. Je déclare que ma société, FedEx, décroche, peut donner des services à 28 millions de personnes. Je déclare que mes associés me choisissent comme, je sais pas, écoutez, hein, quand tu payes la dîme là, c'est le chèque avec le montant que tu veux, mets ce que tu veux dedans. Ouvre ta bouche. Je chasse le dévoreur de mes finances. Je chasse toute perte. Que ce soit des voleurs ou encore des dévoreurs, je les chasse de ma vie au nom de Jésus.
Je les expose. Je dis, quand je vais plus semer, quelqu'un autre va manger. Je dis, quand je vais plus planter, ça va moisir, ça va faner. Je reçois les idées, je reçois la sagesse. Je reçois le discernement pour dire à mes collaborateurs. Je ne serai pas manipulé par qui que ce soit. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Pour faire le bac, tu sais, tu fais le proverbe. Proverbe. Non, pardon. Psaume 37, verset 15. Toute flèche qui a été lancée contre moi, je déclare que ça perce le cœur des personnes qui l'ont envoyé. Je déclare que leur bows, leur flèche, leur arc, l'arc, sera cassé au nom de Jésus. Je casse leurs arcs, je détruis leurs armes, je retourne leurs épées contre eux-mêmes. Je perce le cœur de tous mes ennemis. Psaume 37, verset 15. Je viens détruire le méchant de toute ma vie, tout méchant de ma vie. Seigneur, je me soulève parce que tu as dit dans le psaume 37, verset 17, que tu vas soulever celui qui est juste. Je déclare, selon le psaume 35, verset 25, psaume 37, 3, 7, verset 25, je déclare que mes enfants ne vont jamais mendier. La femme que j'ai lavée l'autre jour, la prière qu'elle avait écrite pour ses enfants, c'était tellement, je lui ai demandé de me donner le papier de sa prière là. Elle a formulé les prières pour ses enfants, maman. Je lui ai dit que je vais rentrer. Je vais vous lire ça peut-être demain ou aujourd'hui. Mes enfants ne vont jamais mendier. Mes enfants seront une bénédiction pour tout le monde entier. Ils vont créer des programmes. Ils vont inventer des voitures, je ne sais pas. Ils vont posséder des villes. Je viens détruire toute personne qui a parlé contre moi. Toute personne qui s'est élevée contre moi. Je déclare que leurs enfants vont périr. Je mets les passages bibliques. Tu vas en mettant les passages. Tu finis, tu envoies ta dîme. La dîme, ce n'est pas la blague. Tu envoies. Tu prends ton donne-moi tout, tu mets sur ta langue. Voilà, donne-moi tout de 15 000. Vous avez dit qu'il y a le donne-moi tout de... Il y a pour... 10 000 aussi. On a commencé à faire les formats de 10 000. Il y a pour 15 000. Tu mets ton donne-moi tout sur ta langue. Tu essuies sur ton corps comme ça. Tu prends ça, tu fais comme ton huile. Maintenant, avec ton huile pour te coindre. Aujourd'hui, mes portes sont ouvertes. Apprenez à parler. Apprenez à parler. Achetez le sel pour verser chez vous. Il y a le sel béni. Donc, si vous êtes à Douala, vous pouvez commander même à Yaoundé. Même ceux qui sont à l'étranger, en poste. Il y a le sel béni pour se laver. Il y a le sel aussi pour verser dans la maison. Je ne sais pas trop. Ouais, dans les coins de la maison. Ce sel, j'ai mélangé avec des écorces. Donc, quand tu verses dans les coins de la maison comme ça, ça éloigne les mauvais esprits. Ne laissez pas vos pieds, on dit qu'on laisse ses pieds au chic là. Ne laissez pas vos pieds au chic. Tu te négliges que tu comptes sur quoi? Bon, j'ai terminé. Je n'ai pas dormi. Bonne journée. Il y a encore quelqu'un qui voulait me joindre. Tu peux écrire, hein. Je peux peut-être te répondre. Tu peux prendre quelques minutes pour te répondre. Bonne journée à tout le monde. Bonjour Emeline.